mitose débute par la prophase durant laquelle les chromosomes doubles se condensent et l'enveloppe nucléaire disparaît. Les chromosomes s'alignent par leur centromère à l'équateur de la cellule durant la métaphase. L'anaphase consiste en la séparation des chromatides de chaque chromosome en deux lots. Les chromosomes simples se dirigent vers les pôles de la cellule et s'y recondensent durant la télophase, tandis que l'enveloppe nucléaire se reforme et que les cytoplasmes se séparent. Pour permettre cette conservation des chromosomes, l'ADN de la cellule est dupliqué avant la mitose. Au cours d'un processus appelé réplication, une copie de chaque molécule d'ADN contenue dans le noyau est synthétisée. Ainsi, les deux cellules filles ont exactement la même quantité d'ADN et le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Un nouveau cycle cellulaire peut alors débuter. En général, la division cellulaire est une reproduction conforme qui conserve toutes les caractéristiques du karyotype, c'est-à-dire le nombre et la morphologie des chromosomes.